la game. Donc Silver qui arrête pas de dire Luke ban FD. Luke, tu bannes tu FD? Donc RTA qui ban FD parce que FD. Planet City et Lylat qui ban. Donc ils iront sur Smashville. Shut up! Est-ce que vous avez sauté le score? Tu mourrais? Regarde la game! Go! Je pense que Luke serait allé Lylat, mais non. C'est Smashville. Lylat? Ouais, Lylat, ça chie le Umigobu à Lucario des fois. Ça va. Un bâton dans le ventre de 12%. Le bâton en baïonnette. Je pense que Palu a définitivement les tours pour gagner le neutral. On sait souvent contre Lucario, mais c'est quand il est à... Le problème, c'est close la kill. Luke Power Shield, tout ce qui est shit à Silver. Ça se passe pas bien pour Silver pour l'instant, mais... Il dit ça, mais on sait tous que Lucario peut faire des miracles à 150%. Le dernier set qu'ils ont eu était extrêmement serré. Je me rappelle plus ce qu'ils avaient gagné. Je pense que c'était... Ouais, c'était... Luke n'est pas nécessairement le favori là-dedans, mais c'est vraiment close. Mais Luke qui a un play style assez défensif, est capable de lire bien son adversaire. Ouais. En ce moment, le dodge de Silver font une bonne job pour l'empêcher de faire combo. Oh my god, le up smash de Kyle va tuer 4. Il était même pas à 80% là. On assiste présentement à du raw bullshit. Ok, vous voulez-vous? C'est ça qui arrive quand Lucario joue un bracket. Luke tente de catch the roll, mais. C'est top smash là. Si quelque chose pouvait catch le roll, c'était ce top smash là. Ouais. Un accident quand même long, je crois, c'est 14 points. Ouais. C'est vrai qu'il recover safe sur le stage pour maintenir le stage control. Mais Luke, il répond automatiquement avec un grab et essaye le up air, mais il n'est pas toujours à ce pourcentage là. Et anyway, ça prend du DIM. Donc Luke qui réessaye. Donc Silver encore s'en sortir parce que. Ouais, Silver il s'en sort. Il s'en sort beaucoup avec Gyarados. Ouais. Ouais. Ma job à attendre, voir qu'est-ce que Luke va faire, puis après ça Gyarados. Gyarados il prend la bonne option. Silver qui est à max rage ou presque max aura bullshit. Mais c'est up air voilà. Par Luke. Luke qui catch le recovery de Silver. C'est terminé pour la première fois de Silver. En ce moment, c'est extrêmement utile. Lucario a actuellement un vrai lead. Luc pourrait mourir à n'importe quel pourcent rendu là. Techniquement, Luc pourrait juste absolument rien faire pour pas donner le pourcentage à Lucario. Sauf qu'en même temps, il ne gagnerait pas le game. Donc. Non. C'est ce que je viens de dire, vraiment pas une bonne idée. Non. Le bouclier à Palu est tellement bon sur le dash attack. Quand tu peux passer à travers en fait. N'importe quel move. Ouais. Gario 52%. Luke est à kill percent depuis déjà un méchant bout. Donc, ça veut dire que c'est pas grave de trouver le kill. Des Lucario qui n'arrive pas à trouver le kill, ça arrive des fois. Oh my god. Oh my god. La Windbox aurait pu finir. Aurait pu finir sa drette là. Oh my god là. Quelqu'un qui a up smash, mais Luke tombe pas dedans. Non, en fait, il est tombé dedans, mais le back air a mangé son up smash. Ah, okay. Mais le force bomb va prendre la game. Et voilà. Force bomb, easy kill. Get carry by Lucario. 1-0 Silver. Luke, il dit, j'ai panique. Congèle pas ses erreurs. J'aimerais ça voir des down throw up smash de Luke. Down throw up smash, ouais, à 4%. Monsieur, j'ai un dodge tout le temps pour ça. C'est vrai que contre Lucario, ça va être une bonne option s'il y a un dodge. Non, c'est une bonne option contre n'importe qui. Oui. Mais parce que des fois, là, c'est qu'il essaie de il veut un dodge ton up air. Ouais. Ou ton forward air. Ouais, parce qu'il est greedy. Puis là, il se fait pogner vers le slash, puis il meurt. Le smash. Il meurt, il meurt à 100. Le smash est haut comme le World Trade Center. Ouais. Puis vu que la lingering box de smash est tellement. Tellement longue. Tu peux pas l'air dodge, c'est impossible. Non. C'est comme le up air. Ben, c'est possible, mais c'est vraiment, vraiment. C'est comme le up air, ouais.
éviter le... de faire ça rapidement parce que j'aurais pu tuer plus de 50% si j'avance la rage et de l'aura. Ouais. Donc l'avantage de Luke c'est de rester low pourcent jusqu'à la deuxième sac. Je m'aurais attendu un off-air sur le tech ici, mais non. Lui, les air dodge, fait des back air. Ça a réussi à avoir le grab. Gap grab. Donc il y a dans le trou tout forward air. Ouais, beau DI out de Silver, le courant du Wuha. Ouais, allez Wuha. Il y a aussi personne qui connaît encore. Je sais qu'il est quoi. Qui est. 6ème, tu le Ben, je veux le PR présent, là. Ouais, il est pas sur le PR, mais il est 6ème, en fait. Non, c'est moi 6ème. C'est pas 6ème? Ouais. Le mot de rien. I don't know what I'm saying. Parce que t'oublies Floyd, je pense. Oh mais le force pas on va prendre la stock. Ouh! Après les ténèbres. Luke qui atterrit directement dans ses bras. C'est traître parce que Luke a une tendance à shielder beaucoup. Et voilà. Force palm, il y a plus up smash ou forward smash, mais j'approuve plus le forward smash. Ouais. Plus de style. Ouais. Il faut des ailes down. Ah ouais, il y a beaucoup de choses qui sont passées. T'as changé ta couleur, c'est ça? Mais fait agressif, il a changé sa couleur. Comme Floyd. Ouais. Il fait cache l'ennemi de Silver en terre avec un black hair. Les pourcents sont close, mais. Ouais, je dirais que le caillou a un lead. Ouais, toujours. Donc on peut voir, puisque Silver est en train de bouger, que Lucario est pas encore mort, donc Lucario a un lead. Tant que Lucario est pas mort, c'est pas mal... En ce moment, il y a une bête où il y a un vrai lead. Wow, le shit qui a repoussé carrément Lucario. Ouais. Oh, mais ne recover pas. On va perdre la game à cause d'un bad recovery. Ouais. Il a mal envoyé son angle. Ouais. Il se serait définitivement fait l'air là-dessus. Ouais. Mais il serait sûrement pas mort, je sais pas, peut-être qu'il serait mort, mais sûrement pas. Parce qu'ils en vont vers le stage. Ils ne le sauront jamais parce que c'est pas arrivé. Ouais, mais la peur est souvent suffisante pour faire des choses comme ça. Donc on est rendu à 1-1 dans ce... C'est-tu Winner Semi? Ouais. Winner Semi, donc c'est un 3-5. J'ai définitivement bien fait ma job, on voit ici que j'avais totalement mis Winner Semis. Ouais, très bon... Ouais, le bracket est pas gros à ce moment-là. Non, on est. I'm sorry. 12. On est 12. Donc, l'important c'est de pas finir 12e. Comme moi. C'est toi qui as fini 12e en plus. Même pas top 8 sur 12. That's hein. It. En tout cas. C'est pas grave parce que si tu fais pas le top 8, c'est toi que. Zero a même pas fait le top 96. Ouais, dans le fond, je suis zero là. J'ai fait le top 96, j'ai pas fait le top 32. Ouais, j'aimerais finir ma carrière là. Non, tu devrais aller sur Twitter et écrire que ta vie suce et que t'en vas pas bien et que t'es en dépression. Mais je comprends que tu vas déprimé, sérieux. Ouais. C'est le meilleur joueur au monde qui se ramasse même pas en top 32 là. Ouais, c'était assez disappointing. Donc, je vais revenir à la game. Donc, on est encore en pourcentage serré. Cario contre. Ouais, les deux ils gagnent le neutral, un nombre assez égal de toi. Ouais. Ça bouge tout le temps. Mais ce qui est tricky avec lui. Mais... Ce qui est tricky avec Lucario, c'est close the stock. Wow, le trap to back air qui va pas prendre le stock, mais presque. Luke va tenter le gimp. Ah, oh, le neutral qui va manquer. C'est lui qui va manquer le over cancel. Je pense qu'anyway, Luke aurait pu jumper out de ça. Ça peut être. Donc, réussi le over cancel voilà. Club smash. Ça, c'était juste le bon angle. Là, situation difficile pour Artea. Il se retrouve dans une situation où Lucario est presque max rage, il est presque max tout à ce type. Il peut ramasser les dommages sur Artea rapidement et le suivre très rapidement encore plus. Ouais, le gimp ici est assez crucial, mais Artea qui va le manquer. Donc on voit que
Je veux chercher le backer. On l'a pas trouvé. Je vois où est Charlie. Je vais faire un tour pour envoyer Luke dans les airs. Je vais tenter d'aller pour le Rock and Soul, le petit match encore, mais Luke knows better. Donc vraiment dans une situation difficile, Luke doit trouver le kill le plus sacré comme il est. Il réussit à avoir n'a pas réussi le Rock and Soul pour le petit match, sinon ça va tenir la game directement. Oh mais la boule, ah. On va envoyer Artea à l'autre bout du stage. Oh mais le dash attack pour passer à travers l'aura. Le Aura Ball, tu sais, le Shadow Ball, le Big Aura Sphere, le Aura Sphere. Non, là c'est plus une balle, là, c'est une sphere. Ouais, parce que. C'est Samus, c'est une balle, ouais. Mais Lucario, c'est une sphere. Ah, en fait, Samus, c'est un Charge Shot. Non, ça, c'est pas. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est Charge Shot. C'est pas Charge Shot. Non, c'est Samus. C'est la merde. C'est moi, plus. C'est pas la personne qui me veut t'asseoir. On fait le commentary pour les pods. Voilà. On a besoin pour un pod. Les vidéos. Mais pourquoi on a passé des pods? Pourquoi des vidéos? Fuck you. Question existentielle. Donc Luke qui ramasse le pourcentage sur Lucario. Mais encore une fois, une situation difficile. Et ça va être vraiment difficile pour Luke en ce moment. Ouais. 136% contre Lucario là, c'est. Fuck, il gagne le neutral 100 fois d'affilée. C'est pas perdu. Non, c'est pas perdu. Luke mais... est capable d'être constant quand même en neutral. Ok, en ce moment c'est pas perdu. Rage Palu, ça tue quand même early. Rage Palu? Si il réussit à avoir le bon. Ah, oh, mais. Oh mais n'arrive pas le edge guard. Là-dessus, wow. Ça aurait pu être terminé. Donc, jab to grab to. On va chercher le upper, mais. C'est aussi knows better. Luc, il tente encore le edge guard, mais. Luc, en ce moment, c'est qu'il est à 136%. Il faut qu'il y ait un. Il voulait absolument l'edge guard. Gros read ça, c'est ça que c'est vrai. Ouais. On va peut-être tenter. Un autre read, non. On va essayer d'y aller pour le upper, mais. Les deux sont définitivement kill percent. Luke a vraiment fait une bonne job de comeback sur cette game-là. Ouais, puis. Est-ce qu'il va être capable de close ça? Les deux s'affichent pas mal, mais. Oh my god, ça fait genre une minute que Luke s'est pas pris de dégâts. Situation importante, on est à 1 minute 30 du timeout. My god, il va être sur le bord d'égaliser les pourcents. Oh my god, mais. Ok, le recovery est intelligent. Oh! Mais. C'est peu pour ramasser le. Jump. Le. Non, le téléport, quelque chose, je sais pas. En tout cas, le recovery à RTA et. Pour prendre la troisième game. Donc, c'est ouais, il a fini par. Il a fini par closer ça. Ouais. Ça fait une game longue, là. Tout le temps. Donc, c'est le vœu qu'il y ait une avance d'une game. Une semi qui est pas 3-2 à Sherbrooke, ça existe pas, là. C'est trop stack, c'est vraiment stack à Chabot. Ouais, ça, je vois que c'est trop stack. Il y a toutes sortes de monde ici. Du monde free, du monde pas free, mais surtout du monde free. J'ai que top 11 et. Non, le pas top 11 est free. Non, le top 11 est free. Top 11, mais le bottom. Le dernier, lui, il est quoi? Il est pas free. Ben non, il est encore plus flou. On est tous extra flou. On est tous gratuits. On fierait. Je mets Gora avec des fonds gratuits là, avec Monopoly. Sérieux, je vais tellement au McDo si t'as ouvert. Ben, c'est pas ouvert. Non. C'est pas super. Le McDo, c'est hacking. Il y a deux McDo, c'est hacking. C'est hacking West. C'est hacking West, ouais. Le plus gros qui a fait ça là. Hein? Ouais, je veux. Non mais lui sa King West il est en train. En ouais, fait c'est le seul qui est proche là, il est en rénovation pis ça fait chier. Ben, c'est proche de chez. Ben, c'est plus proche de chez nous. Bon, regardez la game à la place du Paris du McDo. Donc Lucario qui a 100% et Martin qui a 63%. Ben, t'imagines pas à quel point ça fait chier que le McDo soit fermé. Ok. Donc les deux sont pas 4%, mais avec Lucario, une petite avance, tu peux faire à peu près n'importe quoi et ça va probablement tuer. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas vrai. Tu peux faire un smash ou même un power spawn. Tu peux aller avec son jab, tu joues assez safe. Rate un. Oh my god, rate un power spawn. C'est une critique pour les deux joueurs. Vu qu'il doit ramasser cette game, s'il ne veut pas finir en les deux. Oh my god! Lucario qui a trop de rage pour que ce soit true. Il s'en est sorti par la peau des fesses là-dessus. Donc,
je sais pas qu'il y avait eu le breeze, mais... Quel perfect shield. Oh wow, mais ça en sort indemne, c'est au rock and soul. On va ramasser le Rosfair dans la face par contre. C'est difficile à dealer avec ça là, parce que... Ben gros de même, c'est ça, la touche, c'est gros de même. Ouais, c'est difficile à passer à travers. Mais le dash attack, ah, ne ramasse pas le... La prochaine, toi. La prochaine. Wow, le nerf va ramasser le stock. Le beau edge guard de la part de Luke. Donc on se retrouve encore en 0-0 en neutral. Presque la moitié de du temps écoulé. Luke qui ramasse le pourcentage avec Pagusta. C'est pas une drogue, ça, c'est Pagusta. Luke qui prend encore Pagusta, mais... Lucario qui est... Sleepy? Et faire Palu ne connecte pas. C'est bien, il vient en connecter deux. Enfin, il y en a connecté un, le premier a pas passé. Donc, ok, un autre fair, on est rentré à pouvoir. Mais Lucario est à 67%. On commence à avoir de l'aura et un petit peu de rage. Ok, il est pas encore à 4%, mais pas loin. Tente d'aller chercher les pourcentages de la partie. Utilise son backer pour contrer à peu près n'importe quoi sur. Oh, mais! Wow. Silver qui read up smash! Non, ouais, qui read avec l'up smash. Il read avec l'up smash. Et Luke commente, astute character de marbre.